Allez, bonsoir les Mado et les frères Pinard. Bonsoir Mado. Bonsoir. Bonjour Tony. Bonsoir. Bonjour. Avec sa belle voix qui porte loin. Tigate à ma gauche. Bonsoir Tigate. Ça se passe bien ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Des boutons des années 70. Et puis des plus récents, des années 80. Ah, peut-être avant-gardiste. Samy à ma droite. Oui, salut. Voilà, puis Élise qui va peut-être nous rejoindre. Pas sûr, on va voir. Alors, il faut absolument qu'on travaille et qu'on avance un maximum. C'est un making-of ? Oui. Alors, Mado et les frères Pinard, soirée exceptionnelle au Bazar Mahom. Une grosse soirée d'enfer. Ça y est. Ah putain, t'as réussi à choper le truc ? Ouais, t'as fait alors, je crois que t'as fait un ro diminué. Un quoi ? Un ro diminué. La raison principale de cette soirée, pas unique, mais en tout cas principale, celle de la sortie de l'album, yep, qui s'appelle Pantin. Voilà, donc c'est le deuxième album, on peut dire. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Il laisse à penser que tout Tony ne va pas si bien. Ouais. Vous trouvez que tout va pas si bien tout. Je ne pense pas, Ben. Je ne pense pas. Il faut dire qu'à un moment donné, le système va mal. C'est le moment. Merde. C'est la merde, mec. Dans quelques instants, en direct sur la radio bazarnaum.com. Un grand, grand merci, Mado, les frères Pinard. Merci Samy, à toi. Tigat, Tony, Mado. Merci et puis super petite Élise qui est partie se préparer avec ses copines danseuses. Merci d'avoir suivi cette petite interview. On se retrouve dans quelques instants pour le live. Vous écoutez Radio Bazarnaum, le bonheur au maximum.
les braves gens et fermez bien vos yeux, car dans un instant, le spectacle n'aura pas lieu. Java, histoire de faire connaissance. Thank you.
chez moi le matin, l'écume. Thank you.
c'est pas la fin. On est sur la même boule. Faut pas croire qu'elle s'écroule, non. La vie c'est d'avoir des rêves plein la tête. On calmera la jeunesse qu'à grands coups de tendresse. Alors ça fait partie du spectacle, hein, pour cette fois, c'est pas de l'impro pur et total, hein, voyez, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Ça va? Est-ce que nous ça va pas? Nous, c'est des problèmes. J'avais raison, hein, t'as vu, il dit toujours ça va. Hein, ouais, mais ça là, va. Là c'est normal, c'était écrit. Ouais, mais là il dit pas en plus. Ouais. Alors que je pourrais vous dire genre, là-bas, ça va là-bas? Ouais, ça va. Là-bas, ça va. Et là-bas? Et là-bas? Bah, du coup, moi, ça me rend triste. Ouais. Enfin, bref. Oui, et ici, là-bas ? Ouais ! Oh, oh, oh. Bon, et tout le monde ? Ouais ! Ok. Une chanson dont le titre n'a absolument aucun rapport avec le contenu, une chanson qui s'appelle Batmanouche. Thank you.
J'ai écumé tous les bistrots, du Doc du Havre jusqu'au Congo. Au sein du pays, j'en ai vu des Tennessee au bout de la rue. J'avais beau en être tous les jours dans les bras d'une femme au cœur sourd. Quand une me faisait oublier la France d'être mal aimée. J'ai bien essayé de travailler pour occuper toutes mes journées. Mais la nuit, elle ne m'oublie pas. Le blues du soir m'étreint à chaque fois. Je me sens un peu comme un sac d'eau. J'ai presque réussi à m'aimer, mais rien à faire, chaque tentative ne fut que vaine initiative. J'ai fini par m'abandonner à la musique ma préférée. Et quand je préfère les voir vibrer que de sentir sur mon collet. Et maintenant que je joue tous les soirs avec mes copains de comptoir, je suis plus tout seul, c'est tant mieux. Des fois je me vois mettre mes yeux. Je regrette aucune de mes conneries, car elles m'ont forgé comme je suis. Je sais que c'est dense pendant qu'on pousse, car bien qui roule, avance la bosseur. Car ce soir, en exclusivité intersidérale, un pantin de son état vous interprétera son spectacle de sa plus triste joie. Une représentation touchante où ce petit être de bois prendra vie sous vos yeux, laissant vos cœurs à l'émoi, laissant même quelques envieux repartir le regard brillant. Ha, jaloux de voir ce petit gueux de son sourire éclatant imiter l'homme heureux, lui qui repartira une nouvelle fois se coucher seul dans sa prison de cordes emmitouflée dans ses rêves sans espoir, broyant du noir. Alors qu'en fin de compte, ce pantin ne demande pas grand-chose. Juste un peu d'attention. Je suis un pauvre pauvre dans ma si belle vie. Je donne du bonheur aux autres, mais moi je n'ai que du mépris. Je raconte à bout de ficelle mes histoires les plus belles. Mais dans le fond, je suis déçu car je ne les ai jamais vécues. On m'assoit tous les soirs sur mon carré de table, couvert de vieux courriers et de paille séchée. Alors je lève les yeux sur mon carré de cieux. J'imagine amoureux un peu comme si j'étais deux. Chaque matin au réveil, on me tire par la guibole, me sortant de mes rêves et de lancer de farandole. De ce monde onirique où j'arpente les rues, plus besoin de public, de liberté. J'étais repu, mais ces chimères font profil bas lorsqu'on me remet sur les planches. Et tu voudrais m'accroire. Thank you.
je n'aspire finalement qu'à quelque liberté, que mes fils contraignants rompent et me laissent voyager, qu'une fantoche bohème me chante des mots doux, me fredonne des je t'aime, soulageant mon cœur d'amadou. Ma seule consolation, mon petit bout de fenêtre, mes rêves sans horizon, des frites nippant mon corps de être. Allô, oui, mes prisons, je le suis tous les jours, voyant les grandes gens, pestant pour tout, même en amour. Je n'attends de mon Dieu que quelques attentions, un peu de vie dans mon corps, sentir l'amour et la passion, que les gens ne me voient, non plus comme une idole, mais un pantin de bois, libre de vivre mes farandoles. Un jour j'y arriverai, je partirai loin d'ici, les sens seront cruels pour mon petit coin de paradis. Je courrai des jours heureux, mes grands bêtes me portant, au seul gré de mes choix, fini le théâtre des temps. Et bam! Ça va? Ah, je, non mais je kiffe dire ça. Wait, ça va? Ok, c'est parti. Est-ce que ça va? Bon. On a quand même fait une semaine de résidence pour que les mecs ils posent 50 000 fois la question est-ce que ça va? Ah oui, c'est vrai. Attends. Alors, est-ce que ça va? C'est pas, écoute, c'est des conneries. Une chanson qui en parle très bien d'ailleurs, de ce petit monsieur qui est tout seul chez lui, plein de peur. Et une chanson qui s'appelle Uglande. Fait spécial. On risquerait de laisser notre chemise à tous les carrefours. Se ramasser une balle perdue comme dans les films d'action. Ça se lit en info continue à la télévision. J'ai adapté mes réactions au Dylan sans scrupule, qui pour te voler ton blouson se sert de leur pitbull. La meilleure défense c'est l'attaque, prends les sauts au bout de ma main. Et pour répondre du tac au tac, bah je m'en suis acheté un. Je me suis acheté un Krebs. Je me suis acheté un Krebs. Je me suis acheté un Krebs. On sait jamais ce qui peut se passer. Bonjour, ça m'a pas plu, j'ai filé un coup de tête. On va me chercher maintenant que je sais qu'on est tous des victimes. Je suis sur les nerfs et dépassé, la peur est légitime. Mais ça marche, t'es flûte dans ma tête, je peux plus sortir tout seul. J'ai la phobie du pickpocket au volant de ma bagnole. Y'a un seau dans la boîte à dents avant que je devienne dingue. Et pour me sentir tout puissant, je me suis acheté un flingue.
moi je me sens un peu plus à l'abri. Un coup d'œil sur mes caméras chaque fois que j'entends du bruit. On n'est jamais assez prudent pour protéger les siens, hein, les gars. Hey, pour œil et dent pour dent, faites pas lâcher les chiens. Je perds la double, se trouver, ça m'arrive incertainement. D'avoir un dragon calibou pour une panne de courant. C'est pas ça qui m'arrêtera, je vais un crédit à la banque. Vous foutrez plus les pieds chez moi, j'irai passer en tank. Il y a 20 ans, je me mettais à poil. Tiens, demande à Gary, il est là-bas. Oui, bon, maintenant c'est fini, j'ai les poils blancs. Il a plus de poils. Et soit pour le monde, les ouais. Two for the show. I see you get ready now. Go, Cass, go. Ton dos, je sais, c'est un peu vache, mais pour moi, t'es qu'un prolo qui gagne sa vie. Oh, enrichir la mienne. A priori, y'a que toi que ça gêne.